Les villes, nos chiens, des éditions Storyweaver Community. Le Maroc est un pays qui grouille de gens, de trains, de taxis. De nombreux chiens heureux peuplent aussi ses rues, sillonnons ensemble les ruelles des villes et partons à la rencontre de ces chiens des rues. Trafic adore aider les policiers qui règlent la circulation. Lorsqu'un conducteur ne respecte pas le code de la route, Trafic court après le véhicule et ne le lâche plus. Personne ne peut échapper à sa vigilance. Popcorn habite près du cinéma. Il mange et joue avec les vigiles. La nuit, lorsqu'il fait froid, Popcorn se blottit dans une couverture chaude que son ami de la sécurité lui a gentiment offert. Le plat préféré de ce moule, c'est le couscous. Il se rend au restaurant tous les jours, au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Ce moule est tout le temps en train de manger ou de rêver qu'il mange. Champion habite à côté du terrain où les joueurs pratiquent le football. C'est le vendeur de jus de canne à sucre qui l'a recueilli. Champion est toujours à sa place les jours d'entraînement. Voici Pépin, le chien qui habite devant l'épicerie du coin. Il a été secouru quand il était petit par la famille de l'épicier. Depuis, il mange que des fruits avec des pépins. Son fruit préféré, c'est le raisin. Pirate habite dans un parc. Il adore courir. Chaque année, il accompagne les coureurs du marathon de Casablanca. Pirate franchit la ligne d'arrivée. Personne ne lui offre de médaille. Il se contente d'un biscuit. Banquette est fascinée par les trains. Elle a été trouvée en première classe dans un compartiment réservé aux femmes. Banquette était montée à bord du train, prête à embarquer pour l'aventure. Mais elle n'avait pas de billet. Kaline aime jouer avec les enfants. Elle aime qu'ils lui fassent de gros câlins. Elle les laisse même monter sur son dos. Elle vit dans la rue à proximité d'une école. Difficile d'imaginer le Maroc sans ses chiens de rue. Ses chiens errants sont pris en charge et nourris par des milliers de personnes à travers les villes. L'ASPANA prend en charge les soins vétérinaires et la vaccination. Société protectrice des animaux et de la nature. Association marocaine dont la présidente d'honneur est Sa Majesté la princesse Lala Asma.